Son vrai nom, c'est Violetta. Je te présente mes excuses, Mia. Comment as-tu pu laisser Mia toute seule? Il aurait pu lui arriver quelque chose de très grave. Je n'ai pas réfléchi. Mia et moi, on ne s'entend pas dans notre monde, alors je ne voulais pas qu'on sache qui j'étais vraiment. J'étais terrifiée à l'idée de perdre votre amitié. Je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, je ne dirai plus que la vérité. Cette fois, tu as intérêt à tenir ta promesse. C'était génial d'utiliser le rocher pour leur barrer la route. Sans ça, je suis sûre que Rixel aurait réussi à emmener Mia à Funtopia. Merci. Alors dis-moi, tu veux qu'on t'appelle comment? Varia ou alors Violetta? Tu jouais les espionnes pour le compte de Rixel? Quoi? Dis-nous la vérité. Quelle idée, bien sûr que non. Mia, tu es tombée sur la tête? Où es-tu allée chercher ça? Rixel me l'a dit. On ne peut pas le croire sur parole. Oui, mais Varia a signé tous ses messages. C'est elle qui a conduit Rixel à la Corne du Nord et au volcan de la Licorne du Feu. C'est à cause d'elle que Rixel nous a trouvés au château de Panthéa quand on cherchait ses fleurs. Au début, j'étais jalouse que vous vous entendiez si bien avec Mia. Rixel avait promis de m'aider à me débarrasser d'elle et on a conclu un marché. Quand j'ai changé d'avis, il a menacé de vous dire la vérité sur moi. J'étais obligée de continuer à l'aider, mais ensuite j'ai tout arrêté. Je suis quelqu'un de meilleur maintenant, et je suis de votre côté. C'est vrai, vous devez me croire. Je vous en prie. Non seulement tu as gâché notre amitié, mais en plus tu as mis tout le royaume en danger. Tu as risqué la sécurité de tous les elfes et de toutes les licornes. Je dois reprendre ta bague. J'ai commis une grosse erreur et je m'en suis excusée. Vous êtes censé me pardonner maintenant. Je pensais que vous étiez mes amis. Vous allez voir de quel côté je suis. Excuse-nous, Mia. C'est toi qui avais raison depuis le début. On aurait dû te faire confiance. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui aussi, ça le rend triste. Vous croyez qu'on a été trop dur? Elle a peut-être vraiment changé. Comment le savoir? Elle n'a fait que nous mentir. Elle a passé son temps à jouer la comédie. On ne peut pas lui faire confiance. Vous croyez qu'elle va retourner travailler avec Rixel? Espérons que non. Elle va peut-être rentrer dans ton monde, Mia. Elle m'a dit qu'elle n'y retournerait jamais. Elle changera peut-être ta vie. Wow! C'est la première fois que je vois les animaux si heureux. Et si agiles.